Oh là là, encore un film de John Huston. Ah oui, mais pas n'importe lequel. Un des premiers grands rôles de Marilyn Monroe. Et ici, on va parler, on va se servir de ce film de Huston pour faire un flashback et revenir au début de la filmographie de Marilyn, puisque John Huston a fait The Asphalt Jungle, Quand la ville dort, qui est un de ses plus beaux films, un film de casse. C'est encore plus qu'un film noir, c'est un sous-genre, c'est un film de casse. C'est pas un film de casse, c'est un... C'est pour ça que j'ai pas mis une note incroyable. C'est plutôt... Évidemment, c'est le film conducteur, mais c'est plutôt ce qui se passe... C'est les personnages, c'est ça. Voilà, ouais. Et ce qui se passe après, et comment les personnages évoluent, ils sont devenus individualistes, ouais. Et... Enfin bref. Et tu peux regarder que ce film-là a inspiré totalement Melville dans Le Doulos, et même Le Doulos, parce que Le Doulos, ça se termine quand Belmondo va... parce qu'il a un dernier truc à faire à la fin, il rejoint son... Il a une maison à la campagne avec des chevaux, et il y a une barrière blanche. Il longe la barrière blanche, comme Sterling Hayden, quand il va longer la barrière blanche et qu'il va rejoindre pour crever... On ne devrait pas le dire, mais tant pis, voilà, on a spoilé. Il meurt, et alors tu as un cheval de la propriété de ses parents d'avant qui vient le renifler, quoi. C'est assez magnifique. Et ouais, Le Cercle Rouge aussi, c'est vraiment une... C'était son inspiration totale. Et ce qu'on remarque aussi dans ce film, c'est ces longs moments de silence, mais qui disent tout. Il y a une musique au début, à la fin, ouais, et il n'y a plus de musique. Ça, c'est vrai. Il y a aucun moment... À cette époque-là, c'est hallucinant. Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Et une de mes scènes préférées, en parlant des scènes silencieuses, c'est une des premières scènes où Sterling Hayden, qui a donné aussi des gens. Ouais. Et on balance. On aurait peut-être fait pareil, donc ne jugeons pas. Cette scène dans le bar, elle est incroyable. Il y a tout, elle donne l'ambiance. Et on ne voit jamais non plus, dans ce film, d'ailleurs le titre le porte bien, Quand la ville dort, on ne voit jamais la ville du jour. Ouais, non, le début, c'est une ville morte. Hein, total. Toujours de nuit. Tout au petit matin, quoi. Le début, je crois que c'est plutôt le petit matin, il me semble. Tout pareil. Ce qui est rare dans les films d'Hollywood des années 50 où tout est bling-bling, clinquant. Là, on nous montre des villes, une ville. C'est quelle ville encore dans le film? Enfin bref, mais assez crasseux, quoi. Ouais, tout est crade. Et Marilyn là-dedans est... C'est un de ses premiers grands rôles, enfin pas grand rôle au sens grand rôle, mais au sens où elle a été remarquée, quoi. Ça, c'était apparemment... Son agent de l'époque devait... C'est John Huston devait une fleur à son agent. Il lui a dit, voilà, écoute, viens, je te la présente, tu fais les tests. Elle a fait les tests. Huston dit, c'était incroyable, c'était magnifique. Elle avait compris le personnage. Elle avait, devant lui, elle s'était allongée par terre. Il n'y avait pas de canapé, donc elle avait allongée par terre. C'est dans le bouquin, ça. Mais il y a deux thèses. Il y a une thèse, soit Huston a vu qu'elle était géniale, ou il ne l'a pas vue du tout. Dans les interviews, Huston dit « J'ai vu que c'était une grande, tu vois, mais je ne suis pas sûr. » Je crois qu'il était juste obligé par l'agent parce qu'il lui devait du pognon, je ne sais pas quoi. Mais Werner Herzog disait que quand il avait découvert Klaus Kinski, c'était dans un petit film où il le voyait se réveiller. Tu vois, il avait dit « Ce mec est génial, c'est un acteur génial parce qu'il a une façon de se réveiller qui est... » C'est un truc des scènes les plus dures à jouer. Tu vois, tu dors et tu dois montrer que tu te réveilles. C'est incroyable. Hier wiederholt macht es so tiefen Eindruck auf mich, dass später mein professionelles Leben mitentschied. Sterling Hayden rate le moment d'ailleurs. Quand il se réveille, à un moment il est en train de dormir, comme ça il fait ça. C'est très mal joué presque. Alors que elle l'aperçoit, machin, il y a tout qui joue dans son visage, c'est hallucinant, quoi. Mais justement, moi c'est mon avis personnel, hein, on ne sera peut-être pas d'accord, mais... pourtant, je l'aime bien, hein. Sterling Hayden, c'est un très bon acteur, mais je trouve que de toute cette panoplie de vedettes du film, c'est lui qui s'en sort le moins bien. Ouais, 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 il est un peu fat. Il joue de son physique, quoi, toujours, et de sa voix. Et ouais, c'est le même personnage d'ailleurs dans l'Ultime Razzia de Kubrick. Kubrick a fait un film. Voilà, c'est un peu le même. Hein. C'est en 58, je pense. Oui, c'est un peu après. Et Kubrick s'inspire beaucoup de ce film-là. Ça a marqué, quoi. Hein. Ça, ouais. Sterling Hayden joue le même rôle. Mais c'est ce film-là qui m'a révélé Sterling Hayden. Ouais, ouais, ouais. Mais revenons-en au personnage. Tous les personnages du film sont... Ouais. Mais il est beau aussi, son personnage. Hein. De ce qu'il a vécu. Il est beau, mais... Il a une aspiration, il veut avoir du fric pour regagner les terres de sa famille qu'il a perdu. C'est pour ça qu'il joue aux chevaux, tu vois. Moi, les deux personnages qui m'ont le plus intéressé dans le film, c'est... Je ne sais plus te dire les noms des acteurs, peut-être tu vas pouvoir m'aider. C'est le boss du casse. Sam Jaffe as Doc. He's got $1 million in that little black bag, and a jitterbug cost him every dime. Qui a obtenu, celui qui a obtenu l'Oscar du, oui, du meilleur acteur. Il est bon parce que allez, comment dire, il est à la classe, quoi. Ouais. C'est, il est jamais armé, il est pour la non-violence, mais il a un point faible. On ne va pas révéler, on le révèle. Il se fait avoir, la manière dont il se fait avoir. Il aime les jeunes filles, en fait. Ouais, et il dit, vous étiez déjà là il y a 5 minutes. Tu vois, il se dit, c'est génial. Un coup de 5 minutes, t'es juste sauvé. Parce qu'il a maté une gonzesse en train de danser. S'il n'avait pas maté la gonzesse, il est parti, quoi. Et puis et il le prend bien, tu vois, il fait. Ah oui, mais il est philosophe, les gars. Il est philosophe. C'est de ma faute. Non, non, ça c'est. Et l'autre personnage que j'aime bien, c'est l'avocat véreux, hein. L'amant de... c'est ça. L'amant de... qui est un beau personnage. Ah oui, c'est avec. Bon, c'est un peu caché, mais c'est limite de l'inceste, hein. Oui, parce qu'il appelle mon oncle. Nièce. Oui, mais on ne sait pas trop si c'est un jeu, s'il l'appelle comme ça ou si c'est réellement sa nièce. Elle dit pas papa, non? Elle dit papa, à mon avis, ouais. Oui, mais c'est pas le cas. Non, je ne pense pas que ça soit son père. Non, non, c'est pas son père. Non, non. Mais c'est son oncle. Mais je veux dire, pour l'époque, c'est déjà assez. Avec sa femme qui est mourante, qui a une maladie, tout ça. Mais en plus, il est proche de sa femme. Tu vois, il va jouer aux échecs. Il essaie d'être gentil avec. Il est quand même. Il y a des moments de tendresse avec sa femme, quoi. C'est assez. C'est ça qui est plus de la pitié, j'ai l'impression. Oui, mais ça le rend quand même sympathique. Au début, tu dis c'est un gros pourri. Puis tu vois qu'il y a une espèce de complication dans sa vie. C'est son côté véreux surtout qui est. Peut-être. Moi je le voyais plus humain, moi. Mais... Enfin, c'est que des mecs. Il y a personne vraiment. Ah, à part à la limite pour moi le plus humain, c'est le boss, quoi. Quelque part. Oui, le barman aussi qui n'a pas fait, qui est plutôt le bon copain. Le chauffeur de bus, de voiture, oui. Qui est le bon copain. Donc voilà, oui, c'est un classique du genre qui est. Moi le seul problème, c'est que j'adore les films de casse. Et moi, mon problème, c'est que le film de casse, qui doit être aussi important que le casse, même si le casse dure 30 secondes, c'est pas grave, il faut voir la préparation du casse. Et ça, il n'y a pas. Mais non, parce que c'est dur. Huston, je pense, il a voulu évoquer les conséquences. Mais il y a toujours ça dans les films de casse. Il y a le préparation, le casse et les conséquences. Ouais, et mais ça perd toujours. Là, il a voulu peut-être faire un peu autre chose. Et je trouve que ça s'est pas mal réussi. Mais le scénariste du film... de Quand la ville dort, et donc ça vient de son propre roman, je peux te le dire. Ah, c'est Burnett, non? Ouais, c'est ça, je pense que c'est lui. Et il avait déjà écrit les scénarios de, il me semble, je me trompe peut-être, de La Grande Évasion, non, peut-être pas La Grande Évasion. High Sierra. Ouais, c'est ça, High Sierra, bravo. Ça, High Sierra, c'est de Raoul Walsh, c'est vrai. Ouais, c'est ça, mais c'est John Huston qui a écrit avec le scénariste du film Quand la ville dort. Il a donné vraiment une ampleur incroyable au film noir avec Le Faucon Maltais, le film de casse avec ça. Enfin, il a vraiment... il a fait des merdes aussi. Hein. C'est-à-dire que Huston a fait... Parfois, plus dans les années 60. Mais il a parfois fait des grosses merdes entre eux. Tu vois, c'est une carrière folle quand même. Hein, parce que même à la fin des années 80, il fait Les gens de Dublin, qui est un grand film. Il fait Phobia avec Starsky, qui est un film d'horreur médiocrissime, jamais vu. Entre Le Malin et Under the Volcano, quoi. Donc il fait des trucs, c'est hallucinant. Et même dans la grande période hollywoodienne, il fait des trucs anecdotiques, des monuments incroyables. Moby Dick, c'est lui aussi. Ah, et puis il pouvait aussi jouer dans des films sans être le metteur en scène. En plus, au niveau acteur, il était génial. Il avait une gueule. Hein, il avait une gueule, une façon de parler. Et récemment, on l'a vu dans le film d'Orson Welles. Sur Netflix, tu l'as vu, ça? Want me to bring you another Scott? We'll have our own movie. A real movie. The other side of the movie. Oui, je l'ai vu. C'était beau, ça. Ouais, ça va. Moi, j'aime pas Orson Welles, mais ce film-là... Oui, bon, c'est un film qui a son histoire. Hein. Mais c'est un film intéressant, parce que c'est un film inachevé d'Orson Welles, que Peter Bogdanovich a repris et a refini avec les indications. Il tourne dedans, en plus, aussi. Il tournait de base. Il y a plein d'acteurs. Non, pas Jeanne Moreau. Il y a tout le monde. Il y a un acteur français dedans, qui était là, on se dit... Claude Chabrol. Oui, mais il était fan. Il était fan, forcément. Il était à Hollywood, il était voir Hitchcock, il était allé voir tout le monde. Donc mais c'est incroyable ce film. En fait, c'est un fun footage en plus. C'est ça qui est fou. C'est un film qui est réalisé à partir de tout ce qui est caméra de l'époque. Donc il y a des gens qui filmaient. 6 ans, il a été tourné ce film. Bah, toujours, Orson Welles, c'était ça, quoi. Tu vois même les gens qui ont pris un coup de vieux sur deux scènes. Hein, ouais. Et c'est une fête, c'est un anniversaire ou une fête autour d'un réalisateur et tout le monde filme. Donc il y a les caméras officielles de la télévision, il y a des gens qui filment avec des petites caméras pourries. Et donc tous ces formats se mélangent dans un film qui est complètement hybride, quoi. Parce que justement, John Huston, il participe au tournage, mais comme le tournage prenait tellement de retard, il a dû partir pour faire un autre tournage. Mmh. Et je suis même pas sûr qu'il est revenu. Peut-être possible, moi je sais pas. C'est possible. Oui. Mais bon. Il y a un documentaire en fait sur Netflix. Il y a les deux. Quand on reste dans Netflix comme ça, pour Blonde, ce sera sur Netflix aussi. Et il y a le film et le documentaire. On m'aimera quand je serai mort, c'est ça le film, le petit documentaire. Bah, si vous regardez les deux, vous êtes parti pour 5-6 heures. Mais c'est pas mal, franchement. J'aime pas Wells, mais. Ah, moi j'aime bien. Enfin, j'ai du mal avec Wells. Voilà. C'est bien que j'ai Hitchcock et Wells. Le procès. Oui, j'adore. Et pourtant, c'est une merde pour beaucoup. Ah, pour moi, pas. Non, mais j'adore le procès. J'adore, mais en gros, c'est très mal aimé ce film. C'est étonnant. Moi, je l'aimais celui-là. J'aime l'ambiance. Il fait partie des Wells que j'aime bien. Parce que je déteste Citizen Kane. Oui, je déteste Citizen Kane. Mais on en parlera dans une... Ah ben non, on va en parler aussi, puisque... Donc, premier film, Asphalt Jungle. Pour Marilyn, elle en a fait d'autres. Il faut parler du Marx Brothers, parce qu'une des premières apparitions de Marilyn, c'est avec les Marx Brothers. Come here. Is there anything I can do for you? What a ridiculous statement. Mr. Grunion, I want you to help me. I have a little sand left. What seems to be the trouble? Some men are following me. Really? I can't understand why. I advise you to leave. I'll take you down to the bus station. Oh, if I'm not back tonight, go ahead without me. That's been the history of all my romances. Et alors, pour terminer... Ne dis pas pour terminer, on est encore loin d'avoir fini cette vidéo. Non, non, mais pour terminer le film Quand la ville dort, il faut savoir quand même, hein, c'est pas rien, le film a bien marché et a été nominé pour 4 Oscars, dont il a reçu celui-là du meilleur acteur pour l'acteur qui jouait le boss du cambriolage. Et maintenant, on va passer à un autre film oscarisé à mourir. All About Eve, getting a novel salute from the neighboring Hollywood Roosevelt Hotel. Qui est un film sur le... Et c'est ça qui est malin aussi dans la carrière. Mais là, elle choisissait pas ses rôles, c'était son agent qui choisissait pour elle. Mais c'est incroyable de voir que là, on la repère. Dans Eve, ça devient une petite actrice où George Sanders lui dit... vous allez, votre carrière, je la vois monter comme ça au firmament. Tu vois, donc elle a qu'2 scènes, je crois. Et donc, si on peut voir à travers ces films la progression de sa carrière, ce qui est assez marrant, parce que c'est un film, comme Hollywood en faisait, a souvent bien aimé faire, en tout cas jusqu'à Birdman, Inaritu, ça montre les coulisses du cinéma. Il y en a eu cinéma 3. Ou du théâtre. Il y en a eu 3, rien que dans l'année 1950. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu le crépuscule... de Billy Wilder. Ah, Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, mais là, qui est du... Ça, c'est le cinéma pur, bien sûr. Mais c'est aussi... Et alors, un autre film, je pense que c'est aussi de Raoul Walsh, mais ça, il faudra vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est avec Humphrey Bogart, c'est Le Violent. Oui, oui, oui. Et c'est la même année. Donc, 3 films, comme tu dis. C'était vraiment à la mode. C'est pas King Vidor, non? Le Violent? Non, c'est Nicolas Ray. Nicolas Ray, tout à fait. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais, et après, il y en a eu d'autres. Il y a eu aussi il y a Le Grand Couteau de Robert Aldrich, qui est un peu plus tard, je crois, que... on va avoir un autre spot qui va péter. Avec Jack Palance. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, il y a eu beaucoup ça, quoi. Oui, oui, il y a eu même John Cassavetes qui a fait Opening Night, où c'est vraiment une actrice. Là aussi, c'est une actrice qui est en train de mourir, alcoolique, tout ça, sur scène, quoi. C'est assez beau. Et alors, bon, c'est plus dans le cinéma, mais je veux dire, on peut pas ne pas en parler. Nous qui adorons ce personnage, Columbo. Combien d'épisodes dans Columbo ne nous montraient pas les coulisses, que ce soit... Ah, ouais. Du cinéma ou dans la musique. Donc, non, mais c'est vrai, tu as raison. Ouais, c'est un thème qui est souvent abordé. En France, il n'y a pas eu tant de films là-dessus. Enfin, bah, il y en a eu peut-être. Moins mais... glamour aussi. Bah, il y a eu peut-être dans le plus vieux cinéma, il y a eu des trucs où il y a quand même des audaces. Il y a eu des choses qui montraient la création, l'écriture d'un scénario. C'était quoi encore le film de Duvivier là, où c'est des scénaristes qui se retrouvent et qui expliquent comment écrire une histoire. Oui, et tu sais à quoi ça me fait penser là, ce que tu dis là? J'ai vu ce film hier soir avant d'aller me coucher et c'est toi qui me l'a conseillé. Je ne suis pas sûr. Moi, je crois que c'est l'Atelier Alfred. Non? Non, pas l'Atelier Alfred. Tu sais pas de quel film je parle là? Bah si, moi je te parle du truc français. Non, non, non. Je viens de te dire que maintenant, ce que tu dis là me fait penser à un autre film que toi, tu m'as fait découvrir et que j'ai vu hier avant de me coucher et qui montre aussi les coulisses du cinéma. Ah oui. Un cerf. Ah, ouais. Mais là, on est dans le Nouvel Hollywood. On est en 75, c'est en plein Nouvel Hollywood. C'est normal de voir ça. Oui, mais ça, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à une époque antérieure. Et il y a Clark Gable qui est à la porte. Ça se termine par Clark Gable qui toque à la porte. Voilà. C'est hallucinant. Mais c'est un film qui est... Moi, j'aurais jamais entendu parler. C'est mon père. C'est mon père qui m'a dit... Merci Roland. Il y a un film... Il y a un film, machin, sur les gens qui tournent des inserts, de bites, de chattes, machin, un truc très vulgaire, mais c'est très vulgaire ce film. C'est vulgaire, mais c'est filmé encore avec... allez, je veux dire... C'est comme Le Grand Couteau qui rencontre le porno, quoi. C'est ça, c'est le porno des années... Mais c'est pas une pièce de théâtre, au départ? On dirait, mais ça l'est pas. Ça m'a fait penser. Apparemment, c'est écrit, et John Byram, qui a fait le film, qui a fait aussi un film avec Nick Nolte, et là, on est parti ailleurs, mais c'est pas grave, on est là pour conseiller des films, on a parlé du film principal, on conseille plein de films. Et ce réalisateur a réalisé un film sur les mémoires de Caroline Cassady, qui était l'épouse, enfin la femme de Neil Cassady, le héros du livre Sur la route de Jack Kerouac. Donc Nick Nolte joue Neil Cassady, je crois. Et c'est l'acteur de Maman, j'ai raté l'avion qui joue Jack Kerouac, donc le père de Kevin, beaucoup plus jeune. Et donc c'est un réalisateur que je ne connaissais pas, c'est un film que je ne connaissais pas. C'est incroyable. Et c'est l'histoire d'un mec qui était une vedette au moment du cinéma muet, qui était réalisateur. Qui était une sorte de petit génie à devenir. Ouais. Et qui finit à tourner des films porno chez lui. Donc il a son petit studio, machin, avec sa femme qui meurt d'une overdose. Et il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est dommage qu'il n'ait pas été jusqu'au bout. Et je crois que si ça avait été réalisé dans l'écurie Andy Warhol, dans la Factory, là, ils auraient été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle meurt. Et il se dit, mais comment on fait, faites-le baiser la morte, quoi. Qu'il la baise, morte. Mais moi, je pensais, ils vont aller jusqu'au bout, ils vont la faire baiser le cadavre. Ouais, et ils ne l'ont pas fait. Ça, j'ai été un peu déçu de ça. Oui, mais bah, c'est peut-être pour introduire l'autre personnage aussi. Qui est magnifique aussi. Qui, et là, cet autre personnage le manipule et lui montre... Enfin, le manipule pas vraiment, mais le retourne un petit peu, quoi. C'est le cas de le dire. Il est impuissant, tout ça. Et là, c'est elle qui prend le pouvoir. Au début, c'est très misogyne, très macho, et ça devient un truc très féministe. Il y a la revanche, quoi. On dirait. Ouais, c'est ça. Et alors, bon, moi, ce qui m'a allez, j'ai vraiment adoré le film du début à la fin, mais j'ai trouvé la fin. Moi, j'ai eu un peu de mal, mais la dernière scène, elle est magique aussi. Ah, quoi, il est au piano, et puis il éteint les projecteurs. Ah, ouais. Et après, il dit, ce serait pas l'heure de manger. C'est génial. Parce qu'il fait que boire, machin. C'est Richard Dreyfus qui m'a étonné dans ce rôle. Bah, il a eu des bons rôles. Oui, mais je veux dire, je ne l'ai jamais vu dans un rôle... Mais là, on est en pleine Nouvelle Hollywood, quoi. On est vraiment dans l'époque où le cinéma se permettait des trucs incroyables. Ça n'a pas marché, j'imagine. Je ne vois pas comment ça avait pu marcher. Et ouais, c'est épatant. C'est vrai que c'est drôle à voir quand on est en plein dans le mythe Marilyn, de voir des films comme ça qui déconstruisent... Il tombait au bon moment, même si ça n'a rien à voir. Mais là où je ne comprends pas, et là, ça va devenir une affaire personnelle, c'est que là, on a un film qui est quand même presque une pièce de théâtre, qui est limite quand même un poil chiant. Et ce mec n'a pas aimé Le Lion en hiver. C'est comme ça. Je ne m'en remettrai jamais de ça, jamais. Ouais, mais non, ça c'est... Je me suis fait chier, je suis désolé. Voilà, pour vos conseils, Le Lion en hiver avec Peter O'Toole et Catherine Hepburn. Et Anthony Hopkins dans le rôle de Richard Cœur de Lion. Une belle affiche. Mais voilà. Et Timothy Dalton. Ouais, ouais, c'est vrai. Putain, belle affiche. Quel film. Mais très long. Et... Non, ouais. Pas très long. Ouais. Ah, je suis désolé. Au retour à Marilyn. Retour à la bonne Ève. Alors, moi, ce que j'ai... Plein d'Oscars. Pluie d'Oscars. Ce que j'ai adoré dans ce film. Mais on est un peu là-dessus aussi. C'est vrai qu'on est vraiment dans cet univers-là de coulisses du cinéma. Donc, c'est pas pour rien qu'on a parlé de ça. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est l'introduction. ouais, la narration. Qui avec est très Citizen Kane aussi, un petit peu. Oui. On cherche à savoir qui est ce personnage qui reçoit son prix. Mais j'ai trouvé ça original. Je dis ça parce que le frère de Mankiewicz a scénarisé Citizen Kane. Herman Mankiewicz. Ça, on le sait, parce que Gary Oldman a joué le personnage dans un film Netflix réalisé par David Fincher. Ok, ok, ok. Voilà. Mais moi, ce qui m'a plu dans l'introduction, c'est pas simplement qui est un narrateur, parce que ça, c'était pas, c'est pas nouveau. Ouais. Il y a déjà eu ça plein de fois. Mais c'est la façon où, en quelques minutes, il présente les personnages. Et pendant qu'il présente les personnages, tu as une personne qui fait un discours et on l'entend pas. Il est muet. Et à partir de ce moment-là, le film débute. Une fois qu'on entend la personne qui fait son discours. Et durant tout le film, et ça, c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve, dans le développement de l'intrigue, c'est que on a toujours une narration, que ce soit un personnage ou l'autre, mais à partir du moment où on revient vers le trois quarts du film au début, là, le spectateur peut avoir sa propre vision du personnage de F. Ouais. C'est une vision qui évolue en fonction des gens qui racontent, en plus. C'est ça qui est... La première partie du film, elle est subjective. Ouais. C'est la vision que les protagonistes ont du film sur le personnage de F. Et quand on revient au présent, dans le film, ça, c'est le spectateur qui peut donner son jugement. Mais elle évolue et on comprend qui elle est, quoi. À la fin, on a compris qui elle est. Bah, déjà, c'est l'ascension, en gros, d'une arriviste totale. Bah oui, là... Ça, mais au début, on ne pense pas. On se dit... Ah non, puisque... Elle est toute mignonne, toute sympa, machin. Elle a quand même... Ils ont fait un bon casting. Ah, parce que je trouve qu'elle a un visage de chatte. Non, mais je veux dire, c'est le côté félin. C'est ça. J'aurais plutôt dû dire le côté félin. Et ça, on le ressent... Je trouve qu'on le ressent dès le départ. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, on se doute bien qu'il va se passer quelque chose. Mais voilà. C'est un peu aussi comme dans La Comtesse aux pieds nus, aussi, avec Ava Gardner. De Mankiewicz aussi, hein, c'est ça. Et où on apprend qui elle est, un enterrement, on se dit mais qui elle est, et ça on raconte l'histoire. Et on arrive à un très beau film aussi sur le milieu du cinéma aussi. Hein, je crois que c'était aussi le cinéma, elle. Oui, oui, tout à fait. Et le même réalisateur... avait réalisé un film quelques années avant, mais je ne sais plus le titre. C'est Chaîne conjugale. Ah oui, en 1948. Qui est en plus... Attends, c'est avec Kirk Douglas? Bonne question, je ne pense pas. Oup, hop, hop, hop. Je ne suis pas sûr. Et il me semble que c'est un des films préférés de Jan Bucquoy, en plus. Ok. Bah alors, si tu nous écoutes... Et hop, il arrive de... oui, c'est vrai. Je pense que ces chaînes conjugales. Mais en tout cas, c'est un triangle amoureux, mais je ne savais pas que ça se passait dans le monde du spectacle. Ça se passe pas dans le monde du spectacle, mais non. Le point commun, c'est que c'est aussi une histoire qui est racontée et qu'à un moment donné, ça revient au présent. Ah. Et c'est ça que je veux dire. Et ben alors c'est ça. Je crois que c'est le film que Jan Bucquoy adore. Jan Bucquoy. Et c'est le même réalisateur, donc c'est Mankiewicz. Promotion du truc. J'ai réalisé un documentaire sur Jan Bucquoy. Qui est passé à la RTBF, s'il vous plaît. Qui est peut-être encore visible sur Ovio. Moteur. Action. Le film ne s'est pas réalisé. N'hésitez pas. C'est vraiment touchant. C'est bon, d'habitude, les gens, ils font la promotion parce qu'ils ont... Normalement, il faut quand même expliquer, les gens de YouTube, ils ont beaucoup d'abonnés, donc ils deviennent bankable, et donc on leur demande de faire de la promotion. Tu vois, donc, parfois, tu vois les YouTubeurs qui font la promotion d'objets dégueulasses parce qu'ils sont obligés. Nous, on n'a pas assez, donc on est encore libre, donc on se promotionne juste nos propres produits. Et en plus, c'est gratuit. Voilà. n'est pas assez bon encore que promouvoir des trucs à la merde. Voilà. Mais quand on sera bon, ben, vous le saurez, parce qu'on dira ah, « c'est cool, on va vous vendre un produit vachement chouette ». Mais soyez patient. Oui, très patient. On sera peut-être mort d'ici même. Le film est basé plus ou moins, je dis bien plus ou moins, sur un fait réel. C'est possible. En fait, la personne, donc le film est basé sur un roman. Mm-hmm. Et la personne qui a écrit le roman, en fait, avait un jour été invitée chez une personne, donc tout ça se passe aussi hein, dans le milieu mm-hmm. du show business. Et cette personne lui a raconté lors d'un dîner qu'elle avait une assistante qui a essayé de qu'elle avait aussi accueillie et formée, et qui était devenue sa première assistante, et elle s'était rendue compte en fait qu'elle essayait de prendre sa place et son mari. Pas mal. Et en fait avec ça, elle a écrit un roman qui est sorti, je pense dans les années, au début des années 40, et ensuite ce roman a été adapté dans une histoire qui a été racontée à la radio. Et c'est lors de cette diffusion à la radio, que le réalisateur du film l'a entendu et s'est intéressé et a acheté les droits. Et c'est ainsi que ce film a pu se faire. J'ignorais ça. Voilà. Pas mal. Parlons du casting quand même, parce qu'il y a Bette Davis. Bette Davis qui est quand même hallucinante. Elle a une de ses répliques qui est devenue culte. C'est Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Oui. J'espère que vous avez préparé vos gilets de sauvetage parce que la soirée va être animée, tu vois, en disant un truc comme ça. C'est hallucinant, c'est que des acteurs monstrueux. George Sanders, qui est le type cynique par excellence, qu'il a toujours joué. After which Mercedes McCambridge honors George Sanders as best supporting actor for his role in All About Eve. Mankiewicz, Zanuck and Sanders have garnered 9 of filmdom's most prized awards for 20th Century Fox Film Corporation. Et alors il y a dans le film, mais j'ai oublié le nom de l'acteur, mais le mari de... Enfin, dans le roman, c'est son mari, mais dans le film, c'est son fiancé, puisqu'elle doit l'épouser. De Bette Davis. Ouais. Ah, mais oui. Dans la vraie vie, en fait, ils sont vraiment tombés amoureux et se sont mariés après le film. Et ils sont restés 10 ans ensemble. C'est pour moi, personnellement, la plus grande actrice... Ah, elle est formidable. ...des années 30. Une peau de vache aussi, quand même. Hein. Oui, mais d'ailleurs, pour en revenir, parce que c'est bien que tu le dis, bonne série aussi, elle travaillait pour la Warner juste avant. Et ça faisait quelques années que ça ne marchait plus trop pour elle. Elle était sur une pente descendante. Et elle s'était fâchée avec Zanuck. Et Zanuck a pu se réconcilier avec elle. Et c'est pour ça qu'elle a fait son retour dans une production. Et c'est ça qu'il a... relancer un peu sa carrière. Bah, elle n'a pas arrêté, parce qu'elle est morte quand même vieille, elle n'a pas arrêté de se relancer comme ça. Il a eu plusieurs comebacks. Hein. Dans les années 60, c'était avec les films horreur, thriller. Il y a eu des Hammer, d'ailleurs, je crois. Hammer ou proche. Oui, c'est ça, qui a tué Virginia Woolf. Non, ça, c'est un film d'Aldrich, ça, c'est pas la Hammer. C'est un grand film. Dire, ça. Mais là, en fait, la légende veut que Bette Davis, pour avoir ce rôle, donc elle n'avait plus rien, machin, elle n'avait plus de rôle, et elle a publié une annonce en disant « Vieille actrice, cherche rôle, machin ». Hallucinant, quoi. Voilà, mais avec humour, sans doute, mais c'était assez saisissant. Et là, ça l'a relancé encore une fois dans son rôle. Elle a tourné jusqu'à la fin. Hein. Il y a une bonne série où Jessica Lange joue Joan Crawford, et je ne sais plus qui joue Bette Davis, mais c'est une série qui revient sur justement les tournages célèbres. C'est une chouette série qui montre l'envers du décor. Là aussi, c'était un tournage assez fou quand même, qui montre aussi, c'est aussi un truc qui est pas loin aussi du film Insert ou du film sur les coulisses du cinéma, parce que c'est un film génial qui a tué Baby Jane. Et puis après, moi, je l'ai connu surtout par My Wicked Stepmother, qui est un film qui m'a traumatisé quand j'étais petit et qui était réalisé par Larry Cohen. Et ça, c'est incroyable, parce qu'elle était... totalement séchée, vieille, là. Elle jouait une sorcière, il fumait clope sur clope, elle était effrayante. Elle faisait peur à la fin. Ouais, ce film, voilà, c'est un grand souvenir. C'est un film qu'il faudrait que je revoie. Bah, il faut savoir qu'au départ, ce n'était pas Bette Davis qui était prévue pour le rôle principal. Parce que comme je l'ai dit avant, Bette Davis était un peu en perte de vitesse et elle était en dispute avec Zanuck. Donc au départ, ce qui était prévu, c'était la production voulait Susan Hayward. Mais non, c'est Mankiewicz qui voulait Susan Hayward. Le problème, c'est qu'elle était pour les producteurs trop jeune pour incarner le rôle. Ils ont aussi voulu... Mankiewicz avait aussi proposé Marlene Dietrich, mais elle était trop allemande pour la production. Et alors, il y avait une autre personne qui aurait pu jouer à la place de Bette Davis, c'est Barbara Stanwyck. Mais seulement elle n'était pas libre pour le rôle. Et c'est ainsi de suite que c'est Bette Davis qui a pu avoir le rôle. C'était le rôle parfait, quoi. Et c'est ce film-là qui a relancé sa carrière. Ouais, super. Bah voilà, encore un film à conseiller, Eve. Et maintenant, on va passer à un autre film beaucoup moins ambitieux. Mais qui, pour les fans de Marilyn, ça c'est vraiment le film qu'il faut voir, parce que c'est le film où on se rend compte qu'elle sait jouer. C'est-à-dire que tous ceux qui disent « oui, bah, elle ne savait pas jouer, c'était une gentille acharne », c'est son premier vrai rôle. C'est incroyable. Ouais. Moi, j'ai vu ce truc, c'était... Alors, c'est le film qui aurait mérité un bon réalisateur, parce que là, on va peut-être... C'est Roy Ward Baker qui s'est fait connaître avec les Hammer et Amicus. C'est un Anglais qui l'a vraiment explosé, quoi. Il a fait son plus grand film, c'est Atlantique, Latitude, donc c'est l'histoire du Titanic, ça c'est en 58. Voilà, c'est pas... Non, mais je veux dire, c'est peut-être pas mon préféré non plus, mais je veux dire, c'est le film qui a le mieux marché pour lui. Oui, des Oscars, je crois. Et voilà, c'est ça, d'un point de vue récompense. Évidemment, on préfère encore plus certainement sa période Hammer. Il a l'épisode de Quatermass, le troisième qui est magnifique. Là, je ne l'ai pas vu. Oh, bah, faut que tu le vois, c'est un des plus beaux. Il a fait aussi les créatures de Dracula. Il a fait pour la Amicus aussi. Asylum. Oui, aussi le Club des monstres. Club des monstres aussi, qui est génial. Enfin, voilà, donc c'est là où on le connaît, quoi. Roy Ward Baker, c'est ça. Voilà, mais je veux dire, c'est dingue le mélange de genres. Il en a fait 5, je crois, à Hollywood, je pense. Pas plus, hein. 4 ou 5, je crois. Pas des masses. Et ce film... C'est un très bon réalisateur de série B, parce qu'au départ, mais non, même Troublez-moi ce soir, c'est une série B de qualité. Si tu avais eu Samuel Fuller, boum, t'imagines Samuel Fuller qui fait ça. Oui, mais là, ça aurait été, on aurait eu un Naked Kiss 2, quoi. On aurait eu un film hallucinant. Elle n'était pas encore bankable, Marilyn, donc c'est pour ça. Mais comme tu dis, ça n'enlève pas le fait que c'est un de ses meilleurs rôles. Pour les fans de Marilyn, c'est le film qu'il faut voir. C'est un truc où elle joue... c'est compliqué ce qu'elle joue. C'est une femme qui est totalement psychologiquement schizophrène, atteinte, schizophrène. Elle s'attaque à un enfant. Fragile et bipolaire même. Nobody's going to come between Philip and me. If that's what you came here for. You got a man in there. Manny! Elle s'inspire de sa mère totalement, quoi, qui était internée dans un asile au même moment, qu'elle allait rendre visite, et il paraît que dans le film, il y a des gestes qu'elle lui a piqués en allant lui rendre visite. Comme il y a des points communs. Yes, Josephine. What if it cried and pestered and spied on you? You'd want to get rid of it, wouldn't you? You'd have to. Mais elle sort d'un asile, donc dans... Mais ça, on le sait qu'après. Hein. Ouais. Au début, on pense une petite nana... Une petite nana avec son pote. Normal. Je ne sais plus, c'est son oncle. C'est son oncle qui est un groom dans les ascenseurs et qui lui trouve un job de babysitter. Mais déjà là, on voit que, sans rentrer dans les détails, on sent qu'il n'est pas à l'aise de lui donner ce boulot. Ah oui. Alors que babysitter, il ne faut pas être... Enfin, je veux dire, il faut juste être attentif à un enfant, quoi. C'est déjà... un acteur super aussi, d'ailleurs, qui joue... Mais déjà là, il se dit, tiens, t'es sûr, ça va aller, ok, elle a l'air sûre d'elle, voilà, et voilà. Et ça se passe comme ça. Et l'autre acteur principal, c'est Richard Widmark, qu'on ne présente plus. Qui apparemment était casse-couille, mais bon... Ça, il avait peur de se faire voler la vedette par elle, tout ça. Il ne voulait pas nécessairement, il paraît. Et puis, il s'est laissé faire. C'était déjà quelqu'un de reconnu. Oui, reconnu. Mais reconnu surtout pour le carrefour de la mort, avec le rire sardonique qu'on lui connaît. You squirt. Et c'est peut-être la seule erreur du film, c'est qu'il y a une sous-intrigue avec la femme de Mel Brooks d'ailleurs, Anne Bancroft. Anne Bancroft, pardon. Donc c'était la femme de, au moment du lauréat, c'était la femme de Mel Brooks, là pas encore peut-être. C'est son premier rôle, elle chante, et évidemment les deux films qui m'ont marqué d'elle, c'est Le Lauréat et Elephant Man. C'était Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. Et pour clôturer ce film, Troublez-moi ce soir, malheureusement, d'après ce que j'ai lu, le film, encore une fois, Marilyn n'était pas encore le sex symbole qu'elle sera un an après. Donc le film ne remportera pas un grand succès. Pourquoi? Peut-être parce que ce film de genre commençait déjà à être démodé. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le film ne marchera pas. Mais... parce que c'est un peu plat, hein, c'est une réalisation un peu plate, quoi. Mais... peut-être, mais enfin, je trouve quand même que la mise en scène est pas... elle est juste fonctionnelle, l'histoire est super, mais, quoi. Mais ça va, quoi. Il y a quand même un côté intimiste qui est intéressant. Ouais, ouais. Et une très belle scène, vraiment. Et le personnage, finalement, interprété par Richard Widmark, qui n'est pas très sympa au début, un peu, qui traite les femmes un peu comme du bétail, au final, se montre... quand même beaucoup plus complaisant vis-à-vis de Marilyn. Et puis bon, bah, ça finit en happy-end. Hein, finalement, il retrouve sa copine, parce que c'était ça le... mais Marilyn, bon, elle est cinglée, elle va être placée, quoi, donc c'est pas si drôle que ça. Non, non, mais je veux dire... oui, pour elle, pas pour Marilyn. Je veux dire, dans le début du film, c'est ça, c'est l'histoire d'un mec qui se fait larguer, et à la fin du film, bah, il récupère sa bonne femme. C'est ça que je veux dire, mais voilà. Mais c'est un film important à voir, parce que c'est vraiment les démons de Marilyn qui sont là, quoi. Sa folie, sa dinguerie. Bah, c'est le premier film, on va dire, important pour Marilyn. Ouais, mais important pour le spectateur aussi, parce que tu vois ça, tu as compris beaucoup de choses. Si tu connais sa vie, sa mère, les problèmes qu'elle a eus, son enfance, tu peux tout plaquer sur ce film, et ça aide en plus... pourtant, c'est pas délibéré. Non, non. Non, non, mais ça crédibilise le personnage. Sur un roman, et alors autre chose, et après on termine. Tu sais, le scénariste du film, quel autre scénario il a écrit? Un film qui a aussi reçu plein d'Oscars. Tu frottes avec le micro, toi. Et tu sais, quel film? Non. Tant qu'il y aura des hommes. Ah. Voilà. C'est vraiment grand écart, quoi. Ouais, mais voilà. If only you'd given me a little longer. He was in love with me. We would have been married. You didn't want me to have him from the beginning. You wouldn't let me wear the pretty things. Even when I told you about the doll. C'est ça aussi la tension du film, c'est que c'est une femme qui est mise avec qui doit garder un enfant, et on sait qu'elle est dangereuse. C'est ça qui est fou. Donc le spectateur est paniqué parce qu'on sait bien que l'enfant risque à tout moment de finir très mal. Et à un moment, elle le ligote sur une chaise en plus. Donc c'est des images que seule une série B pouvait faire. Je ne suis pas sûr que dans un grand film hollywoodien, on aurait pu avoir des images comme ça. Ça m'étonnerait quand même. Je pense pour l'époque, c'était un peu compliqué peut-être. Très osé quand même. Hein. Mais c'est ça l'avantage des séries B, des fois, qui peuvent se permettre des choses que des autres films ne pourraient pas. Et donc, voilà. Moi, je me suis toujours demandé si... parce que sa mère, qui travaillait dans le monde du cinéma comme monteuse de négatifs, tout ça, qui manipulait les produits chimiques, tout ça, qui était dans les mains, qui apparemment était vraiment torturée par ça, parce qu'elle manipulait. Je me dis, est-ce que c'est pas ça qui a provoqué la dinguerie de sa mère? Je sais pas, ou alors est-ce que c'est vraiment une femme qui était psychologiquement folle ? On ne sera jamais, mais bon, elle avait aussi des problèmes de drogue et d'alcool, sa mère. Hein, donc ça elle avait aussi, beaucoup de problèmes. Ouais. Ça peut aussi jouer. Et, elle a aussi torturé Marilyn, aussi beaucoup. Enfin, elle l'a mal. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, dans les années 20, avoir un enfant, mais illégitime, c'était grave. Donc ça n'a rien arrangé. Puis elle a été placée énormément parce que comme sa mère était dangereuse et pour elle et pour son enfant, elle a été placée dans des tas de maisons d'accueil. D'abord chez une grand-mère qui aimait d'ailleurs énormément Chaplin. Ça c'est dans le roman. C'est pour ça qu'elle rencontre après le fils de Chaplin. Elle dit « Ah, ma grand-mère, vous aimez tellement ». Et après quand la grand-mère est morte, avant que la grand-mère meure, je pense qu'elle est retournée avec sa mère. Puis elle s'est mal occupée aussi, elle a été internée, elle est retournée avec la grand-mère est morte. Elle a été dans 10 familles d'accueil en fait. Et puis après, elle a été mariée de force. Avec des ça, on peut en parler aussi. Elle a été mariée de force parce que... Pour avoir ça, en gros, elle avait 16 ans. Mais pas pas pour ça, mais c'est pour fuir l'orphelinat, parce que sinon... Non, elle était dans une famille. Elle était dans une famille d'accueil, et c'est sa mère adoptive qui a, en gros, arrangé le mariage pour qu'elle se débrouille, quoi. Et donc, à 16 ans, elle se retrouve mariée avec... ça, c'est formidable aussi, et on le dira après pour La rivière sans retour, c'est que le mari de Marilyn, à cette époque-là, connaissait et travaillait avec Robert Mitchum. Ah bon? Dans quelle... Une usine de métallurgie. Ok. Le premier mari de Marilyn. Parce qu'après, il est devenu mari, ça? Oui, oui, oui. C'est au moment où... C'est à partir du moment où elle a dû travailler. Donc, quand elle n'a plus son mari à la maison, comme beaucoup, les femmes ont dû travailler à la place des hommes. Et c'est à ce moment-là qu'elle a découvert autre chose que la vie de famille, à s'occuper de son mari et tout, et qu'elle a été repérée par des photographes. Oui, c'est ça. Elle a commencé par faire des photos pour l'armée. Et dans le roman Blonde, ça c'est à mon avis faux, mais elle montre son mari à l'usine avec Robert Mitchum, qui dit « Regarde, c'est ma meuf, ça, elle est à poil, tout ça, t'as vu, elle est à poil, elle est bonne. Hein. » Et Mitchum lui fout son poing sur la gueule en disant « Quel connard !» quoi. Okay. Mais ça, c'est à mon avis romancé. Dans le téléfilm, il le montre. Quand je parle du téléfilm, je ne parle pas de Blonde. Hein. Je parle d'un autre téléfilm qui a été adapté du film... oui, mais si, ça s'appelle Blonde aussi. Il s'appelle aussi Blonde, mais il ne faut pas... C'est le même, c'est Blonde, c'est une adaptation. Parce que et donc, Mitchum, il y a une scène, il y a une interview entre Jane Russell, Mitchum et le premier mari de Marilyn sur Internet, que vous pouvez voir, où ils sont à trois. Et ils parlent, Jane Russell parle affectueusement de Marilyn, parce qu'elle l'aimait beaucoup. Comme beaucoup, hein. Et ils en reviennent toujours à dire qu'elle était tout sauf conne. C'est ça qui est drôle, c'est que tous ceux qui sont interviewés, ils disent tous « Non, non, elle n'est pas conne, elle était loin d'être conne ». Et il y a même Shelley Winters qui dit à un moment… Elle disait beaucoup aussi. Oui, elle essayait de se cultiver et tout, mais Shelley Winters, elle dit que si elle avait été plus conne, elle aurait été plus heureuse dans ce monde, en fait. C'est sans doute pour ça qu'elle ne pouvait pas, quoi. Parce qu'elle a créé un personnage aussi, elle a créé le personnage de Marilyn qui, à mon avis, au bout d'un moment, ça devient dur, quoi. Moi, je compare ça un peu comme un pacte avec le diable. Ouais. Elle a... Mais comme Elvis aussi, c'est un peu ça. On revient au film Elvis, le pacte avec le colonel, ça l'a enfermé aussi. Tout à fait, ouais, c'est ça. Soit tu en joues, soit tu arrives à en sortir. Mais de toute façon, les acteurs, et même, il faut quand même parler du système des studios à l'époque, c'était une usine. C'était des gens qui faisaient leurs heures, c'était comme aller bosser, de 8h du matin jusqu'à 18h, tu bossais, même au-delà. Et en gros, Marilyn, on lui a refait son nez, on lui a peroxydé les cheveux, tout. Enfin, à cette époque-là, Jane Fonda explique à Delphine Seyrig dans son documentaire sur les actrices, elle dit à cette époque-là, on disait, il faudrait vous casser la mâchoire pour avoir un angle là, quoi. Je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à Warner Brothers pour faire l'essai de maquillage. C'était la première fois où j'étais devant la caméra. Et bon, on vous met dans une, comme les actrices savent tous, dans une chaise qui ressemble un peu à une chaise de dentiste. Et c'était, tu vois, des gens, des chefs de département de maquillage, des plus grands studios de Hollywood, des types très très connus qui ont créé toutes les grandes vedettes, Garbo, Lombard, tous les autres. Bon, alors ils m'ont travaillé, là, le visage, et puis ils m'ont redressé, et je me suis regardée dans la glace, et je ne savais plus qui j'étais. J'étais comme quelqu'un sur une chaîne, quoi, qui sortait avec les sourcils qui étaient un peu partout, des lèvres comme une aigle qui était énorme. Ils m'ont dit qu'il fallait que je teinte les cheveux blondes, parce que c'était comme ça qu'il fallait être. Et puis le dernier, oh oui, il voulait que je fasse casser le mâchoire, briser le mâchoire par une dentiste pour creuser les joues. Creuser les joues. J'avais des belles joues d'adolescence un peu. Et puis Joshua Logan, en plus, qui était le metteur en scène et qui est aussi mon, how do you say, godfather, mon parrain. Mon parrain. Un jour, avec le nez que tu as, tu vas jamais pouvoir jouer la tragédie, parce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux, ce nez-là. Et puis, dernièrement, le mot est venu d'en haut, que Jack Warner, le chef du studio, voulait que je mette des faux seins. Bah, il n'aimait pas des femmes avec des petits seins. Alors, c'était très clair, j'étais un produit du marché, et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commerciale, parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos. Alors la mâchoire, quand même, il l'a pas arrangée, ni le nez. Mais j'ai porté des faux seins et des cheveux blonds et les cils pendant 10 ans, quoi. Ce qui veut dire que moi, Jane Fonda, était là, et puis cette image était là, et il y avait cette aliénation entre les deux. Pour les femmes, c'était de l'abattage, ça c'est sûr. Pour les mecs, c'était compliqué aussi, mais c'était des mecs, ça peut encore aller, quoique, bon. Et pour les réalisateurs, ils étaient avec des contrats de 7 ans, quoi. C'est-à-dire ils se retrouvaient à 7, parfois à rien faire, s'ils étaient payés, mais ils n'avaient pas de film. Ou alors ils devaient, on les obligeait à tourner des films qui ne les intéressaient pas. Surtout, quoi. Richard Fleischer, dans ses mémoires, explique qu'il y avait des moments, il voulait qu'on lui donne un film, mais il n'y en avait pas. Les directeurs changeaient de l'RKO, il y avait les directeurs qui sautaient à chaque fois de place, et donc à chaque fois ils disaient « oui, vous aurez votre film », mais après, hop, il y avait un autre directeur, il devait tout reprendre à zéro. Donc c'est une époque où... c'est pour ça que ça a changé. Ils étaient un peu esclaves. Hein, ouais. Et en même temps, c'était... Enfin, ils étaient tenus par des contrats. Et même leur vie privée était, était contrôlée. Et en même temps, c'était confortable aussi, parce qu'on décidait pour eux. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'ils savaient tout faire. Donc, c'est-à-dire qu'on te prenait quelqu'un qui venait du fin fond de je ne sais pas quoi, du Nevada, je ne sais pas, d'un trou paumé. On te le prenait, on t'en faisait une vedette, il savait chanter, danser, parler. Et à la limite, au plus il venait d'un destin tragique, au mieux c'était. Ah oui, parce que le rêve américain, c'est ça. Ah oui, c'est sûr. Mais je veux dire qu'ils arrivaient à prendre n'importe qui, à en faire quelqu'un. Parce qu'il y avait du travail, parce que ces gens-là, je veux dire, Marilyn savait chanter, danser, jouer, quoi. C'est quand même... c'est fou. Et après, je ne sais plus, c'est George Sidney qui disait ça dans un documentaire. Maintenant, c'est 1000 fois plus compliqué. Parce que les acteurs doivent choisir leur rôle. Today, Julia Roberts... She has to read scripts. She has to try to decide which is good. She hasn't got anybody, you know, working for her, or people. They do have people, but it's not like a big studio. And you take people, you teach them everything. They came in the gate at 9 o'clock, and you stay from 9 till 6. And you were taught dancing. You were taught fencing. You were taught French. You were taught English. You were taught. Alors que là, les studios, c'est Zanuck qui dit on va faire monter Marilyn. Donc on va lui prendre Hathaway, il faut que tu me la fasses rayonner, quoi, tu vois. Howard Hawks, il faut que tu me mettes Marilyn là, quoi. Donc c'était pratique. Et autre, ça va être une vidéo interminable, ça. Mais autre film avant de voir Blonde, c'est le film The Goddess. Joined together in one of the most extraordinary films ever made. Qui est un film sur Marilyn, réalisé par John Cromwell. Et ce film est un film réalisé par la Columbia. C'est un film visionnaire, parce que ouais, ça raconte l'histoire de Marilyn, mais en même temps, c'est pas elle. Elle n'était pas encore morte. Mais oui, et en plus, c'est une actrice de l'Actor Studio. Starring Kim Stanley and Lloyd Bridges. Qui apparemment était au même moment avec Marilyn à l'Actor Studio, donc il y a sans doute qu'il l'a connue. Et ça, c'est ce qui me semble plausible, c'est que c'est la Columbia qui fait le film. Et la Columbia, c'est ceux qui n'ont pas voulu de Marilyn. C'est ceux qui ont jeté Marilyn parce qu'ils disaient « elle ne marchera pas ». Et donc quand ils l'ont vu monter, parce que c'est le film, il est dans 54, 6. Quel film ? The Goddess. 58. Donc elle est totalement une vedette, et donc ils sont mordus les doigts, et ils ont voulu un peu saper l'image de Marilyn, parce qu'il y a tout, il y a ses photos de nu, il y a sa mère dingo, il y a ses premiers maris, il y a le fait qu'elle est un peu siphonnée. Et les somnifères aussi, dans le lit, où elle dit des trucs incroyables. C'est horrible pour elle, ce film. Surtout si elle connaît l'actrice, qui est vraiment pas bonne pour jouer le rôle de Marilyn. C'est une actrice qui n'a pas le physique de Marilyn du tout. Alors là, vraiment pas. C'est pas le sexe symbole. C'est peut-être fait exprès pour pas trop... Peut-être, mais c'est curieux, ouais. Et la Columbia, c'était Harry Cohn, qui fait partie de ce qui a été récemment expliqué, c'est qu'elle a été abusée par lui. Donc, le patron de la Columbia l'a en fait prise, tchac, et il l'a rejetée, quoi. Donc ça a été... et il était encore producteur de la Columbia au moment où ils ont fait le film, donc est-ce que c'est une vengeance? J'en sais rien, mais en tout cas c'est très bizarre. Et alors il justifie ça comme Ils disent que ça s'inspire d'autres actrices. Oui, il y a plein de destins tragiques, mais là, c'est le même destin. Et ce film a... Et les maris, en plus. À l'époque, il a marché ou... Je crois pas, c'est vraiment un petit truc. Parce que franchement, j'avais vu que tu avais vu ce film, mais c'est intéressant, en tout cas. Ouais, c'est un... ben, c'est blanc, de lire blanc et voir ça. Tu le conseilles si... Ouais, vraiment. Et il y a Lloyd Bridges, le père de Jeff Bridges, qui joue un de ses maris, qui est un sportif, donc qui est sans doute... qui représente Joe DiMaggio. As a child, the tawdry little passions of her adolescence. The goddess explores the desperate demeaning of love. Bon, Steph, oui. On va clôturer maintenant la première vidéo. On n'a pas fini. On a un Fritz Lang, nom de Dieu. Ah ouais, tu me fais chier. Bon, moi, je m'en vais. Hein. Je n'ai pas vu le film. Fritz Lang, incroyable, parce qu'elle tourne avec Fritz Lang. Deux fois, non? Non, une fois. Une fois. Pas déconner, quand même. Hein. Okay. C'est déjà un privilège de tourner avec Fritz Lang. Hein. C'est pas le meilleur Fritz Lang, mais c'est un bon Fritz Lang. Parce qu'un moins bon Fritz Lang reste un très bon Fritz Lang. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des mauvais Fritz Lang? Je réfléchis. N'en vois pas. Mais bon. Et donc, ce film, on va aller vite. C'est un film qui est bien adapté d'une pièce de théâtre, encore, mais souvent. C'est Clifford Odets, l'auteur de la pièce. Et c'est une histoire de triangle amoureux. C'est-à-dire, c'est une femme qui... C'est Suzanne... Non, c'est Barbara Stanwyck qui joue la femme... qui a une relation, qui se marie très vite avec un mec et puis qui finit par vouloir le tromper avec un projectionniste d'ailleurs, parce qu'il fait un beau lien. Et normalement, la pièce se finit mal par un meurtre, tout ça, mais Fritz Lang coupe et ça se termine par une espèce de happy end, mais fausse happy end. Ça montre vraiment que c'est un peu... C'est les rapports humains qui sont un peu compliqués. Et, voilà. Et Marilyn, dedans, joue l'épouse ou la petite amie du frère de Barbara Stanwyck. Wow. Joli. Et elle joue un personnage important, donc aussi un grand rôle. Pas génial, mais voilà, elle travaille dans une usine de poissons. I thought you weren't going to eat any more chocolate. You'll spread. So spread. Don't you? Why not? I feel icky. Et ce qui est raconté, c'est que Fritz Lang a eu un peu de mal avec elle, parce qu'elle ne connaissait pas son texte, machin, et qu'il y avait une scène où Barbara Stanwyck devait dire de longues répliques, un long monologue, tout en faisant des gestes, en mettant le linge et tout. Elle se plantait à chaque fois se plantait. Et Stanwyck, qui était sympa comme tout, ne lui a jamais reproché, quoi. Donc, c'est-à-dire, elle aurait pu dire, mais qu'est-ce que c'est que cette conne, tout ça, rien. Elle a été cool, elle n'a jamais dit un mot. Elle a dit, on reprend. Hop. You know, fellas, they say a lot of things. But wait till there's a bad catch and money's short. I'd go right back in the cannery. I'd be stuck. Good. You're very pretty, Peggy. And the boys whistle a lot. I'm real glad you came back home, May. Are you? Am I what? Glad you're home. Home is where you come when you run out of places. Et voilà, donc c'est juste pour dire que ce film est un Fritz Lang, intéressant à voir. C'est quoi l'intrigue, en gros? C'est ça, je l'ai dit. Ok. C'est tout, c'est une histoire... Et voilà, elle trompe son mari, elle vient d'épouser un type un peu médiocre. Donc c'est une histoire banale de triangle amoureux, d'une femme qui est un peu une femme fatale, c'est Stanwyck, qui trompe son mari avec Robert Ryan. Pas mal. Et voilà, ça se termine mieux que dans la pièce. Et en tout cas, peu d'actrices qui, en tout cas, n'étaient pas contentes de leur filmographie peuvent se targuer d'avoir été mis en scène par le grand Fritz Lang. Et c'est quand même... c'est un film à voir parce que... Enfin non, est-ce que c'est un film à voir? Non, parce qu'il y a une telle filmographie pour Fritz Lang qu'on peut en voir d'autres, des bien meilleurs. Mais ça reste un film très correct parce que Fritz Lang, parce que le casting, parce que Marilyn qui fait bien son boulot quand même. Même si c'est un rôle un peu plus effacé, mais elle fait son boulot. Et après, elle va exploser grâce à... Enfin, elle va exploser en deux temps grâce à Howard Hawks, qui est un révélateur de talent, puisqu'il a fait James Caan, qui vient de mourir aussi. Un des premiers rôles de James Caan, c'est dans Eldorado. Ouais, et il explose, il joue au Mississippi, il est magnifique. Un des premiers rôles au cinéma de Montgomery Clift, c'est Red River, c'est Howard Hawks. Tu vois, c'est vraiment le type qui... Il sait prendre... Ben, Lauren Bacall, c'est lui qui a créé Lauren Bacall. Il lui a appris à avoir une voix un peu profonde, un peu rauque. C'est un type incroyable. et un grand metteur en scène. Donc voilà, le cycle Marilyn, ce sera ça, quoi. Ce sera, en gros, on va conseiller des grands films. Il y en a très peu de mauvais, d'ailleurs, on n'en parlera pas, à mon avis, des moins bons. Moi, j'ai pas vu... J'ai vu... Il y a une comédie musicale que j'ai envie de voir. Un ou deux moins bons, peut-être, mais qui reste quand même, pour moi, bon. Mais on va dire il y en a un très mauvais. Pour toi, moi, je l'ai trouvé très moyen, voilà. Mais pour le reste, agréable surprise, tu m'as fait redécouvrir Marilyn. Ouais, ouais, ouais. J'avais vu ses films avant, mais par exemple, j'avais vu Les Désaccès, j'étais jeune. Hein, trop, moi aussi. Je devais avoir... Enfin, j'étais adolescent et... Bon, j'avais gardé un mauvais souvenir de ce film. Pourquoi? Parce que, de un, peut-être que j'étais encore jeune et con. Ouais, c'est sûr, non? Ouais. Non, c'est certain. Et deuxièmement, je voulais voir un film avec Marilyn. Et je voulais voir... moi, je m'attendais à voir du... Bah, tu tapes à l'œil, du glamour. Et franchement, là, à 16 ans, je me suis fait chier. Et ce film, bah, il a fallu maintenant pour que et là, maintenant, je reconnais que c'était un rendez-vous manqué et que le film est vraiment... Tu me diras ça dans 10 ans pour Le Lion en Hiver. Peut-être, peut-être. J'étais peut-être trop jeune et trop con pour aimer ce film. Pas dit ça, mais c'est un rendez-vous manqué. Et mais ce qui est drôle aussi, c'est de voir que jusqu'au Désaccès, c'est qu'on voit comment évolue le cinéma avec Marilyn. C'est-à-dire que sur 10 ans de temps, parce qu'au moment où quand la ville dort, c'est 10 ans. Quoi. En fait, c'est comme tous les grands. Ils ont eu 10 ans et puis choum, fini. C'est une espèce de... On peut aller sur Van Gogh aussi, hein, 10 années. Hop, il peint pendant 10 ans, puis hop, fini. Et plein de gens, hein, je veux dire, plein de... Ceux qui sont restés dans les mémoires sont ceux qui sont morts tragiquement. Et leur carrière s'est faite sur très peu de temps. Et Marilyn, on voit quand même qu'en très peu de temps, il y a tout le cinéma qui a changé. Mais bon, maintenant, on ne fera pas l'histoire. Là, on va un peu parler, pas dans le vent. Mais bon, moi, je pense sincèrement, mais c'est mon avis, j'ai horreur de dire ça, hein, parce que je trouve ça triste qu'elle soit morte. Mais je pense, malheureusement, que c'était la fin. Que même si elle avait continué à vivre, son physique aurait changé. Ça n'aurait pas marché. Et ça n'aurait pas marché. Non, non. Elle aurait disparu, elle ne serait pas restée Marilyn. C'est sûr. Voilà, donc, moi, je pense qu'on n'aurait même plus parlé. Donc voilà, quelque part, son histoire, elle reste un peu... Enfin, c'est le cas pour tout le monde. C'est aussi la mort qui fait et qui cristallise un peu toute cette espèce d'aura mystique incroyable qui entoure ces gens-là. Elvis aussi. Sa mort, là... Non, c'est... Ouais, c'est comme James Dean, pareil. C'est des gens comme ça, ils vieillissent pas. C'est encore pire, parce que c'est sur quoi, 3 films, 4 films. Et ces gens-là, en plus, deviennent des... Ton tableau qui est chez toi, où on voit Elvis, Marilyn, James Dean. Pourquoi ces gens-là? Parce qu'ils sont restés jeunes. Pourtant, il y a Yann Frévogart aussi dessus. Bon, d'accord, oui. Mais lui, il n'a jamais été jeune, quoi. Et puis, il est mort jeune, quand même. C'est vrai, il est mort. Enfin, ouais, il avait, je pense, 50 ans. Oui, je pense. Ouais, je veux dire, il était complètement... C'était quelqu'un qui avait une gueule. Il avait une gueule, quoi. Voilà, on n'a pas fait toute la carrière de Marilyn, mais on a fait la fin et le début. Et dans les épisodes prochainement, on va détailler les films marquants du milieu. Là, le prochain, on va parler des films qui l'ont révélé et puis on parlera des films qui l'ont confirmé. Prochain épisode, Howard Hawks. À bientôt.